Séance plénière cet après-midi au Conseil économique et social que préside M. Émile Roche, l'objet du débat qui s'est déroulé en présence de M. Ortoli, ministre de l'économie et des finances, et de M. Chirac, secrétaire d'État, la réforme de l'impôt sur le revenu. Le rapport dont a été saisi l'Assemblée économique souligne que, dans sa majorité, celle-ci souhaite que la réforme prévoie une clause garantissant les contribuables contre les effets de la hausse des prix. Entre autres remarques, le Conseil économique regrette que le gouvernement croit devoir écarter aussi bien le passage immédiat à 25 de l'abattement spécial pour les salariés que l'abrogation, trop longtemps différée, de la taxe complémentaire. Pour M. André Malter, le président des cadres, il ne suffit pas, comme le propose le gouvernement, de revenir à un barème plus normal comportant des allègements fiscaux, mais de donner des garanties pour l'avenir. Le gouvernement souhaite n'arrêter sa position qu'après s'être informé complètement et loyalement des problèmes que soulève la réforme et des intérêts légitimes en cause, a déclaré M. François-Xavier Hortoli. Les charges qui pèsent sur l'économie française, de quelque nature que ce soit, sont trop lourdes. Le problème de l'allègement des impôts intéresse donc tous les citoyens et conditionne la prospérité de la nation.